Eh bien bonjour à tous, c'est Caudron, aujourd'hui nouvel épisode de notre série sur Total War Attila avec les Pictes, et donc on se retrouvait pile pour la bataille, sous la pluie, en pleine forêt. Une bataille qui normalement devrait être tout à notre avantage, même si on doit monter la côte. Eh ben on va la monter, on va aller les choper. Il y a les berserkers dedans, on va faire des tas comme ça, ce sera très très bien. Hop et hop, alors j'ai rien laissé à l'arrière, non c'est bon. Allez go! Il faut que j'envoie le 10 piqué par là-bas. Allez, arrosez-moi ça. Ça va piquer là par contre. Saloperie de cavalier mercenaire. Ah, ils ont pas fait grand-chose en fait. Alors attends là. Tu vas me faire le plaisir de charger correctement. Ah, eux aussi ils sont comme ça. Eux aussi ils foncent dans le tas. Je savais pas ça. Allez, on contourne tout ça. Toi, tu vas me faire le plaisir de charger ça à revers. Toi, tu vas me faire le plaisir d'aller t'occuper de cette cavalerie. Toi, tu vas me faire un plaisir de t'occuper du général. Attends, c'est pas eux qui visent. On va viser ça. Voilà, on va reviser ça. Ah, oula, bah comment que c'est tombé là? Comment que ça s'est pété la tronche ce front? On a des armées fraîches en plus là. Allez, donc là le général on le cueille à l'envers. Nos berserkers sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Ok, là on accroche. Allez, vas-y. Le général Mi est mort. Mort. Parfait, parfait, parfait. Cette bataille qui ne veut rien dire, cette victoire totale sur les Alamans qui ne comprennent rien. Ah bah fuis, hein, fuis, fuis, fuis. Tout ce qu'on peut te conseiller. Alors ils arrivent où les autres Gus? Ils arrivent par le sud, parfait. Et on est pris ici à revers. Mais ils chargent dans les piquets, j'aime cette IA. J'aime ce concept d'IA. Alors. Ils ont pris cher quand même. Replacer ça comme ça. Hors cela, hors cela. Et on va renvoyer les piquets là-bas pour soutenir. Oh les bois sanglants là. Les bois sanglants. Ok, on va mettre les berserkers en première ligne. On va se reposer un peu ici. Ok, bah on a fait un joli massacre dans la forêt. Bon, évidemment, un lancier contre piquet, lancier contre cavalerie. Je vais pas vous faire un dessin sur ce qui va se passer. Ok, donc on se repose un peu. Ok, parfait, c'est bon. Allez, repli maintenant. Ils se sont bien battus. On va envoyer tout ça. Voup! Sous la pluie battante. Oui, vous avez compris, c'est ma nouvelle tactique, c'est le je fonce dans le tas. Je prends l'ennemi à revers aussi, c'est une nouvelle tactique. On va là et on taille, on taille, on taille, on taille. Alors, voyons voir les berserkers un peu. Waouh! Waouh, 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 cette violence.
Il frappe deux fois le même mec, même quand il est mort, d'accord. Eh bah là, voilà, ça a flanché déjà, donc on continue à avancer, hein. Un petit tir de javelot, là, ça ferait pas de mal. L'unité est à court de munitions et ne peut plus tirer. Oh, 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 oh non. Oh, joli. Joli, joli, joli. Allez, poursuivez-moi ça. Une unité est devenue folle. Regardez celui-là, regardez ce pauvre gars. Eh ben voilà. Oh oui, tu l'as dit mon gars, tu l'as dit. Complètement à nous même. Allez. Bon, j'espère pas trop dans cette poursuite assez hasardeuse, mais on sait jamais. Il en reste un, c'était quoi ça? Un bretteur germanique noble. Ah, le pauvre. Ah bah, c'est eux qui m'ont attaqué, hein. J'ai fait que me défendre. De ce côté-là. Ok, bah allez, on va s'arrêter là. Victoire décisive, tu m'étonnes. Allez, c'est bon. Alors, 639 morts de notre côté, 2000 du leur. Bah, magnifique victoire. Avec un peu de chance, même mon IA, enfin mon allié, mon état client va attaquer les Alamans. Prendre leur ville, donc là on aura des bons gros états clients, ça fait plaisir. Parfait, parfait. Les berserkers, ouais, regardez, 220 morts, 269 morts. Pff. Une boucherie. Une boucherie, allez, deux armées à l'amant. 7%, je dis pas non. Regardez, cette armée est complètement anéantie. Et ils vont chez mes alliés, pfff. Ah bah c'est bon, regarde, là la ville est à la merci de tout le monde. Là la ville est à la merci de tout le monde, je vais même pouvoir y aller au prochain tour, à moins que mon... Ah non, j'ai rien dit. Ils amènent des renforts de Ravenne en fait. Ils emmerdent mon espion avec les prêtresses. Mon espion qui a l'air assez... assez dissipé. Rejoindre la guerre contre les Saxons. Venez, aidez-nous dans cette guerre, je vous en prie. J'hésite. Parce que à force de ne pas y aller... Ah non, c'est bon, en fait, ils y vont pour les Saxons, là, donc c'est bon. Ah, ça, par contre, c'est moche. Ah là, ça, c'est moche aussi. C'est très très moche. Mais j'ai une armée là qui arrive. Tout n'est pas perdu. En plus là c'est l'armée du roi donc on a un peu intérêt à gagner. Ces gens nous dérangent beaucoup. Ouais bah toi tu aussi tu me déranges donc tu ferais mieux de te battre au lieu de faire tes conneries. Un mariage, il voudrait Casiloy. Bah oui, vas-y. On va donner Casiloy en mariage à l'Illyrie, ce sera parfait. L'Empire romain d'Occident qui se reforme grâce aux Pictes. C'est n'importe quoi. Allez, allez, hop, 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 faction détruite, blablabla, blablabla, hop. Donc là. Là, par contre, c'est intolérable. Donc je ne tolère pas ça. Non, mais ils se foutent de la... Oh, je suis désolé, faut un peu qu'on avance aussi. Hein. Hop. Donc je libère. Et je veux un état ici. On envoie cela se réparer à Longdunium. Du coup, on aura trois armées dans le secteur. Je mets ces trois armées là parce que je vois, regardez là. L'Empire romain est là. D'ailleurs, l'Empire romain.
va aller prendre Véron, si je ne m'abuse. Parce que cette armée-ci est complètement à la ramasse. Apparemment, ils sont déjà combattus. C'est pas folichon. Hein. Alors là, on n'est plus chez nous, si je ne m'abuse. Donc attendez, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va commencer à enclencher le pillage. Je sais pas combien de revenus on a. On est à 300 et on passe à 700. Donc on a à peu près 300 par tour. D'accord. Là c'est pareil, on a de la grosse armée d'Alamans. On va envoyer ça en soutien par le nord. On pourra battre leur armée après, il n'y a que des tirailleurs. Je vais peut-être quand même aller. Voilà. On va fusionner un peu tout ça. Faire des trucs propres. Alors attendez. Dans ce style-là. Hop, hop. Un petit problème là par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment la notion du mot fusion. Ok, 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 ça me semble bon. Voilà, et comme ça en plus on économise un peu d'argent. Là bah c'est pareil, on se met aux portes des pics pour faire pression. Normalement les Romains devraient commencer à avancer, ça fait plaisir. Là j'ai récupéré la ville du coup. Et je vais envoyer. Des renforts ici. Pour la plus grosse bataille de l'histoire. Votre prochain ordre. Tous guerriers. Et vu qu'on est assiégé, qu'est-ce qui se passe si on lance l'assaut là? D'accord. On est en automne, on va attendre tranquillement l'hiver. Ici je me mettrai en mode fortifié, on va attendre tranquillement, voilà. On va les laisser faire un peu leur business. Je vais continuer, alors ici ça recrute, j'ai déplacé toutes mes armées là. Là ouais. Et là bah ça pille là. Ça pille. Alors là ça devrait augmenter. Du coup ça devrait augmenter de 300. C'est pas beaucoup. Il faudrait peut-être qu'on descende un peu en Italie. Ça m'a l'air un peu mieux. Peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. On peut pas trop avancer là, donc on va se mettre là. De toute façon, il y aura nos alliés là pour soutenir au cas où, donc ça roule. Les guettes, je me méfie des guettes toujours. Là, les jutes, il y aura un gros combat. Je pense qu'ils vont attaquer parce qu'ils vont pas attendre l'hiver. Les Danois, on s'entend plutôt bien avec. J'aimerais bien négocier de la paix quand même avec des ennemis inutiles. Du genre ça, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Mais même ça quoi. Et ils voudront pas, donc écoutez, on va laisser ça comme ça et on va passer le tour. C'est essayer de perdre du temps. Ouais, je sais, j'ai de l'argent, je sais, c'est utile pour faire les hommes. Puis comme ça, si j'ai des trous, je recruterai des mercenaires. Là, de toute façon, on est en pleine phase terminale. Il n'y en a plus pour longtemps. Les salauds. Non, mais c'est pareil. Putain, c'est pas possible, quoi. Eh bah vas-y, on y va. On peut pas piller tranquillement, hein, c'est incroyable. Bon, là, je vais pas vous cacher que je suis un peu moins optimiste quant à nos chances de victoire. Mais... Pourquoi pas.
Là, il n'y a que des unités de tir, donc la stratégie, ça va être simple, ça va être on fonce dans le tas. Mais je pense que ce sera quand même une défaite. Oula, faut, vu le terrain merdique, oui, ça va être une défaite, ouais. Alors... C'est quoi ce délire, là? Hop, hop, berserker au milieu, roi, enfin, général ici, sans mettre ça en haut, ok. Coucou, les pics arrivent. Ah, qu'est-ce qu'on fait, non, allez à droite, allez à gauche, non, non. Allez. Ah bah oui, les troupes ennemies ont été vues, oui. Ils sont paumés, là. Ils sont paumés, les pauvres. Allez soutenir ça, allez éclater ça, vous. On a fait un coin, c'est le coin là. Magnifique coin. Voilà, il y a du monde qui arrive là-bas. Des volontaires apparemment. Allez, allez, faut qu'on avance là. On avance, on n'a pas de temps à perdre. C'est une question de vie ou de mort. Saloperie d'unité de phalange ici. Allez, prenez ça à revers. Qu'on aille épauler nos camarades là-bas. On a besoin de monde. Allez, on y va, on y va, on y va. Là, il va falloir faire pression ici. Les piquer sur la cave, j'amène le général là-bas. Alors ici, ça flanche, c'est normal. Alors, apprends un peu le respect à ceux-là. Fasse pression sur les tireurs quand même, parce que là allez, enfoncez moi cette armée. Il est où le général? Il est là bas allez, on continue, on continue, on continue. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, avancer ici aussi. Il faut qu'on fasse pression. Faut pas qu'ils tirent. Pas leur laisser le temps de tirer. Regardez ça. Regardez comment on enfonce la ligne, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Codran? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, on continue, on continue, on continue. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter, ils sont fous, les berserkers sont fous. Allez. Ah bah là on peut le faire là. On peut le faire, on y croit. Foncer les deux armées là, mais j'ai pas, j'ai rien compris pourtant. Au niveau perte en plus, ça marche. Hein. Enfin qu'on court. Les Visigoths avaient ça au moins, c'était sympa, c'était le petit sprint là. Ah ouais, déchaîne les enfers là, tu parles. Carrément là. Il faut qu'on les mette au bord de la carte. Oh, le général ennemi est mort. On a défoncé les deux armées à la suite, là. On a commencé du haut de la colline, hein. On a commencé du haut de la colline, on a fini là-bas, quoi.
Allez, on accroche là. On accroche là. Une unité a tiré toutes ses munitions, et bah qui court. Ok, bon là ça fuit un peu, on merde un peu du côté des collines là. De toute façon, ils vont arriver au bord de carte, normalement on devrait les tailler. Voilà, un petit massacre d'arbalétriers, ça fait toujours plaisir. Et là, les gens, on va arriver au bout. Ils sont bloqués. Coucou. Ceux-là ils sont fous de toute façon. Ils sont tarés. Ils sont fous, c'est n'importe quoi. Et ben voilà, eh. Ne jamais sous-estimer un Picte, jamais. Le chat s'est foutu sur le bureau, je vois plus la montre, voilà. Et en plus on est dans les temps, si c'est pas beau. Bon, apparemment il y a encore des volontaires là-bas par contre. Allez, regroupement général. Ah bah cela c'était prévisible. Allez, on attend ici, on attend sur vos cadavres. Venez. On va se mettre un peu par là, quand même. On va se reposer, faut qu'on se repose. Ah bah, ils sont déjà reposés. Actifs, en forme. Ah, ça va. On a coursé tout le champ de bataille, mais ça va. Allez, tout le monde en position. On va les laisser venir un peu, là. C'est bon, ils reprennent leur souffle. Regardez nos berserkers là. Ils sont pas beaux. Allez. On appelle ça la technique du joint. Du coin plutôt. On absorbe. Allez. On voit ceux qui courent plus vite là. Allez, prends ça à revers un peu là. L'unité est devenue folle. Et ben voilà. Et ben voilà, magnifique victoire. Magnifique massacre.
Rien à redire. Rien à redire. Vraiment là, je suis bluffé moi-même là. Je savais que les pics étaient forts, mais à ce point-là, les gens, c'est quand même quelque chose quoi. Parce que au début, en plus on était en train de piller, hein, donc on avait du malus de vigueur et tout. Et là, j'ai jamais fait une bataille comme ça. En plus, regardez au niveau des pertes, franchement, ça va. Hein. On n'a pas eu tant de morts que ça et on a lapidé trois armées d'Alamans. On a presque eu un autre général là. Et ils me mettent victoire de justesse, ouais, moi j'appelle ça victoire audacieuse. Regardez ça, 640 pertes de notre côté. Et 3419 du leur. Deux armées entières rasées. Zéro, regardez, là il reste plus rien. Rasé. Et une armée rasée aux trois quarts aussi. Il leur reste 767 hommes. Ils en avaient 4186 au début. On est fou. Alors je prends. Alors que vont-ils faire? Je les sens un peu paumés. Là, l'Italie du Nord, ça commence à se débloquer. Hein. Les Danois ont pris la ville aux Saxons. Parfait. Et là, ils lancent l'assaut. Ils lancent l'assaut, mais ce sera pas pour cette fois. Parce que je n'ai point le temps. Donc, bah écoutez, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et salut à tous et vive les Pictes. Yeah.